Oui, bonjour Rachid Alaoui. Donc, ce débat se tient à l'occasion de la sortie du numéro de la revue Homme Immigration que j'ai coordonné et qui porte sur la question de la diaspora marocaine. Y a-t-il une diaspora? Comment il se manifeste? Comment le sentiment d'appartenance se manifeste? Quels sont les pays d'accueil de cette population? Quelles sont les caractéristiques de cette diaspora? Donc c'est une diaspora ancienne, elle est familiale, elle est rajeunie. C'est une diaspora où on assiste aussi à la présence et à l'émergence du troisième âge. C'est une immigration qui est mondialisée puisqu'il existe dans plus de 100 pays. C'est une immigration qui est structurelle parce qu'elle concerne toutes les régions du monde, toutes les régions du Maroc, pardon. Et c'est une immigration qui connaît et qui est très diversifiée puisqu'on a aussi bien le travailleur sans qualification que l'ingénieur, que le médecin, que le chef d'entreprise. Donc on voulait faire le point avec un certain nombre de contributeurs qui ont participé à ce numéro. Voilà.